tout le monde. Qui dit Nièvre dit Decize, qui dit Decize dit AQPS, et nous sommes ici au château d'Artel. Artel, chez Guillaume de Brondeau, qui va nous présenter plusieurs lots à Decize dans quelques jours. On va le retrouver tout de suite dans les prés. Bonjour Guillaume, comment allez-vous? Merci lui. Qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Je vous présente aujourd'hui deux yearlings. Le premier, là, que vous avez devant vous, est un hongre qui est né un peu tard l'année dernière. C'est un fils de Redlink. Sa mère, Vénery d'Artel, est une très belle jument que vous verrez peut-être tout à l'heure. Vénery d'Artel était à l'entraînement chez Pierre Soubry. Elle a eu quelques petites malchances, on a eu des petits accidents de pied, etc. On avait... Et puis elle avait. C'est son premier poulain? C'est son premier poulain. D'accord. Merci lui. Et en fait, elle a couru notamment à Pau, où elle, je me rappelle, un jour de Noël, elle arrivait pour gagner dans la course de haies, et malheureusement, elle s'est pris un postérieur dans la dernière haie, et elle est tombée, elle était montée par Kevin Nabet, qui a vraiment regretté la manière dont il l'a amenée. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Quoi qu'il en soit, elle est revenue chez vous. Elle est revenue à l'entraînement, mais après, elle a fait une mauvaise chute. Après, elle a couru à nouveau, mais là, elle était devenue assez tendue. Probablement, elle n'oubliait pas sa chute. Elle était revenue assez tendue, elle avait été devenue un peu tireuse. Et du coup, on l'a arrêtée et j'en ai fait une poulinière. C'est une très belle jument. Compte tenu de son modèle, j'ai voulu la garder. Et alors ici, au premier plan, on a une femelle, c'est ça? Oui, une femelle. Alors, quelles sont ses origines? Alors, cette femelle est une fille de la Fée d'Artel. La Fée d'Artel était une bonne jument de plat qui a fait toute une carrière chez Richard Chotard, qui a donné notamment Tonnerre d'Artel, qui est un cheval qui a pas mal couru en plat. Voilà, disons que ça c'est... Alors donc, elle, c'est une fille de Cocorico. Une Cocorico, très bien. Une femelle et un mâle. Au milieu, juste pour préciser, au milieu, là, qui est en train de manger, c'est la fille d'Olga d'Artel. C'est la fille d'Olga d'Artel. Et alors, celle-ci, on va pas la voir au concours, mais les deux dont on a parlé assez longuement, on va les voir au concours de 2-6. Exactement. Merci, Guillaume. J'en prie.